Salut YouTube! Alors, je pense que tout le monde est arrivé par hasard sur cette chaîne, car elle a été créée il n'y a pas si longtemps, puisqu'elle a été créée aujourd'hui. Et c'est une chaîne par rapport au dessin. Et pour la première vidéo, on va faire une vidéo où mon frère m'a donné un challenge, enfin, c'est entre guillemets un challenge, de représenter le logo, enfin, de refaire le logo de. D'un réseau social, je pense que vous connaissez tous ce réseau social. Et du coup, je dois le faire avec des crayons de grande surface que vous pouvez acheter dans des supermarchés, quels qu'ils soient. Et du coup, ça va être vraiment très compliqué parce que c'est un logo en dégradé. Et des dégradés avec des crayons pas faits pour, c'est extrêmement compliqué. Alors, je vais juste m'aider de la tablette pour représenter le contour du logo. C'est vraiment fait à l'arrache, enfin pas entre guillemets à l'arrache, mais ça va vraiment être très compliqué de faire ça. Alors, je vais arrondir les coins et agrandir le carré. Alors, le logo que vous voyez enfin, le dessin que vous voyez au-dessus, c'est le dessin de ma bannière YouTube, enfin, de mon logo YouTube. Et je l'ai dessiné il y a à peine 30 minutes. Et si vous voulez un tuto pour faire un pour faire un personnage chibi comme ça, dites-le-moi en commentaire et. Je le ferai peut-être. Je le ferai peut-être même juste comme ça pour une vidéo pour faire du contenu du coup. Alors, on va faire la première bande blanche. Ça va être, en fait, le plus dur, c'est vraiment le. Enfin, c'est dégueu en fait. C'est vraiment compliqué à faire le rond. Enfin, pas le rond, mais je veux dire. Bien faire le carré qui est autour, les arrondis, etc. C'est vraiment compliqué parce que, bon, eux, ils ont fait ça à l'ordinateur avec des formes préfaites. Alors que, bon, à faire en dessin, c'est plus compliqué que faire à l'ordi. D'ailleurs, je ne sais pas si je peux sur mon ordi, mais si un jour ça vous plairait de voir une vidéo. J'essaye de faire un dessin sur ordinateur. Je peux toujours essayer. Il y a des logiciels qui existent pour faire du dessin sur ordi. Moi, c'est un Mac, du coup, c'est je peux pas. Enfin, j'ai pas Paint, par exemple, qui aurait sur les Android, enfin, tout ça. Et du coup, faut que je trouve un logiciel. Mais sinon, c'est. Ça pourrait être une bonne idée. Mais ça devrait. Je pense que c'est compliqué. Bon. Alors, on va se concentrer. Alors, du coup, là, on a les contours. Tac. Maintenant, on va essayer de faire le dégradé. En commençant par le violet. Alors, vous voyez que la qualité du crayon n'est pas extraordinaire. Alors, le violet, ça va aller jusqu'à peu près là. Et là. Alors, si je parle pas. Excusez-moi, c'est parce que bon, pour faire les traits bien correctement, c'est plus simple en se concentrant. Je pense que tout le monde le sait. Alors là, pour l'instant, ça va, mais ça fait pas encore le dégradé du coup. Forcément, vu qu'il n'y a qu'une couleur, ça fait pas de dégradé. Hop. Alors, à la fin, c'est un peu plus foncé. Voilà.
Un peu. Tac. Après. Après, c'est un violet un peu plus. Un peu plus. Enfin, je pense que vous voyez un peu plus clair, mais pas trop non plus. Est-ce que ça. Non, ça va encore. Alors, ça va à peu près jusque-là. C'est hyper compliqué. Et après, c'est un rose, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup, le rose. Alors, si je fais ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui connaissent la technique, mais c'est pour à peu près, enfin, pour un peu étaler la couleur et pour que ça unisse un peu le tout. Mais du coup, c'est assez compliqué de faire ça. Que bon, c'est pas des crayons faits pour. Bon, après c'est du rouge un peu. Du coup le rouge en a une grande partie, ça va à peu près jusque là. Alors attendez, si vous entendez du bruit, c'est pour vérifier que vous voyez bien le dessin. Voilà. Alors, si aussi vous avez des idées de vidéos, des concepts, des challenges même, donnez-moi vos idées et partagez-moi vos envies dans les commentaires. Et j'essaierai de faire ce que vous pensez. Et aussi, du coup, mon petit frère va souvent être dans les vidéos pour donner des challenges, enfin, pour... Ouais, c'est ça, pour me donner des challenges, des idées de défis, etc. Et du coup, si vous entendez une voix un peu plus enfant, c'est parce qu'il est plus petit que moi, même si ma voix est déjà un petit peu aiguë. Et c'est d'ailleurs lui qui a fait, qui m'a donné cette idée. Et t'en penses quoi d'ailleurs ? Pour l'instant, j'aime bien. Ok. Ça rend pas bien, enfin ça rend pas comme le logo forcément, mais ça va, c'est moins pire que ce que j'aurais cru. Après là, le jaune, voilà. Maintenant je vais faire l'intérieur du rond ici, et il y a ils sont assez hop. Voilà, je ne sais pas. Alors, attendez. Je vais peut-être rajouter de la plus. Enfin, je vais appuyer un peu plus fort sur la couleur. Voilà. En fait, le rouge ne se voit pas assez, je pense. Et si vous avez aussi des, pas des idées, mais je veux dire des marques, si vous vous y connaissez un peu. Moi je sais, je connais un youtubeur qui s'appelle Tutodro. Je pense que beaucoup de personnes qui aiment le dessin connaissent. Et il a créé une boîte de dessin et j'aimerais bien la voir. Et du coup, quand je l'aurai, je vous ferai une vidéo unboxing de cette boîte. Parce que c'est vraiment une boîte extrêmement complète pour le dessin et c'est vraiment... C'est vraiment complet pour ceux qui débutent ou même ceux qui aiment le dessin en faire un peu en temps libre. Oups, le feutre ne marche plus. Alors si je mets pas le nom en entier... Je pense que vous connaissez, mais j'ai pas vraiment le droit
de donner les noms, on a le droit, mais... Ouais, bon, en gros, c'est Instagram. Je pense que tout le monde le savait, mais... C'est pareil. Moi, enfin, genre là, je vais pas avoir beaucoup d'abonnés. Je vais peut-être en avoir 5 ou 6, et voilà. Mais quand on a beaucoup d'abonnés ou que quoi que ce soit, quand on fait des vidéos et qu'on donne un nom de quelque chose, on dit souvent placement de produit. Ça arrive pas souvent, hein, les placements de produits. Sauf pour les gros youtubeurs. Mais voilà quoi. Et ben, je suis plutôt fière. Toi, t'en penses quoi? Moi, je le trouve magnifique. Je trouve vraiment beau. Le dégradé n'est pas là du tout, mais je trouve que les couleurs sont belles. Alors, attendez, je vais vous faire pas un focus parce que j'ai pas de focus sur ma tablette, mais voilà. Voilà, et vous pouvez aussi me dire ce que vous pensez du logo. Alors, je le trouve très beau et assez détaillé pour un chibi, alors j'aime vraiment bien. Et voilà, donnez-moi vos impressions par rapport à la chaîne et par rapport au dessin. Voilà, bah du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao.